Le fait marquant, c'est évidemment la bataille de Solferino. Cette bataille a lieu le 24 juin 1859. Elle oppose l'armée française et l'armée piémontaise d'une part à l'armée autrichienne. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, l'Autriche occupe l'Italie du Nord, domine en vérité l'ensemble de la péninsule depuis le traité de Vienne qui a mis fin aux guerres napoléoniennes, et la France s'est liée avec le Piémont dans l'objectif de libérer l'Italie du Nord et permettre de faire un premier pas en direction de l'unité de l'Italie. Napoléon III rêvait sans doute aussi de bouleverser l'ordre établi par le traité de Vienne qui avait consacré la défaite de son oncle, dont il se voulait le successeur. C'est une bataille qui est livrée dans des conditions de totale improvisation, ni d'un côté ni de l'autre. On s'attendait à livrer bataille ni à cet endroit, ni ce jour-là. C'est véritablement deux armées qui se heurtent frontalement avec une immense brutalité. On apporte de plus en plus de troupes dans des attaques très concentrées pour s'emparer de la position dominante qui est la tour qui domine la région de Solferino, qui permettait de voir ce qui se passait et de reprendre le contrôle de la situation. Et bien entendu, les armes à feu, les canons vont faire des ravages épouvantables parmi ces troupes qui montent à l'assaut en rang serré. De telle sorte qu'on se retrouve avec 30 000, 40 000 blessés, les chiffres sont difficiles à établir, et pratiquement pas d'assistance médicale. C'est certainement la bataille la plus meurtrière que l'Europe ait connue depuis la bataille de Waterloo. Dunant est un homme d'affaires. Il a créé sa propre entreprise en Algérie, une entreprise de moulins, des moulins sur une rivière. Il a obtenu des concessions sur une chute d'eau pour construire ses moulins. Pour construire ses moulins, il a emprunté beaucoup d'argent, mais il n'a pas obtenu les concessions qu'il espérait. Et il finit par se mettre dans la tête que la seule personne qui peut véritablement débloquer cette situation, c'est Napoléon III lui-même. Il rentre en France dans l'idée de rencontrer Napoléon III, et pas de chance, Napoléon III est parti pour l'Italie, s'est mis à la tête de ses troupes pour aller libérer l'Italie du Nord. On a un chien. Ah ! Des soldats qui ont fusillé d'autres ! Mais c'est pas possible ! Cocher ! Signor ! Arrêtez ! Il arrive à Castiglione le même 24 juin, le jour où la bataille se livre, peut-être au moment où elle se termine, on ne connaît pas son heure d'arrivée exactement, et il se trouve confronté à l'horreur absolue, c'est-à-dire une ville où on achemine des milliers de blessés et où il n'y a pratiquement pas de moyens de secours, pas d'assistance médicale. Monsieur l'officier, pourquoi tire-t-il sur ces hommes ? Ces hommes, ce sont des Autrichiens. Ils sont désarmés, prisonniers. Justement, des prisonniers, ils nous encombrent. Vous n'avez pas le droit, c'est monstrueux. Il donne dans son témoignage, et il n'y a aucune raison d'en douter, il signale qu'il y avait 500 blessés dans la seule Chiesa Maggiore, l'église principale de la ville. Donc on peut imaginer 500 hommes qui souffrent, qui hurlent, qui meurent. D'après les rapports officiels de l'armée française comptait 3 médecins, 6 médecins auxiliaires. À Castiglione, la ville la plus proche du champ de bataille de Solferino, Castiglione delle Stiviere, où on va amener 9000 blessés. Donc pensez, 3 médecins pour 9000 blessés. Seule une toute petite partie d'entre eux pourront être secourus, pourront recevoir une assistance médicale. Alors que fait Dunant ? Dunant n'est pas médecin, mais il fait ce que toute personne de bonne volonté ferait dans un cas de ce genre, c'est-à-dire qu'il oublie les raisons pour lesquelles il est venu en Italie du Nord, il pose sa veste et il essaye de
d'assister les blessés comme il le peut. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est donner de l'eau à des gens qui meurent de soif parce que personne ne s'est occupé de leur donner à boire. C'est laver des plaies, c'est remplacer des pansements, c'est envoyer son cocher, il a de l'argent, donc il envoie son cocher dans la ville voisine, à Brescia, pour acheter des draps, des matériels de pansement, de la nourriture, des fruits, des pipes et du tabac, parce qu'il fallait couvrir cette épouvantable odeur de pourriture qui se dégageait dans cette église. Ces hommes ont besoin de secours, il nous faut du linge, des fruits, de la paille. Routor, donnez-lui de l'argent. Ah, je n'ai pas de crédit pour ça. Bon. Alors coquillet, prenez tout l'argent qui est dans ma poche et achetez tout ce que vous pourrez. Et ramenez-moi de braves gens, il y en a partout. Je parle pas italien, mais je leur expliquerai quand même. Tutti fratelli et ils comprendront. Bon. Ensuite, il se rend au quartier général pour demander qu'on libère les médecins autrichiens capturés de telle façon qu'ils puissent se consacrer aux soins des blessés au lieu de pourrir dans une forteresse. Ce n'est pas à nous de soigner les Français quand nos camarades meurent comme des chiens. Dans l'église Maggiore, où j'ai installé tant bien que mal un hôpital, je ne fais aucune différence entre les blessés. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Je ne me soucie pas des nationalités. Et je continuerai de le faire, quelle que soit votre réponse. Voulez-vous traduire, monsieur? Dieser Herr sagt, er mache keinen Unterschied zwischen Verwundeten in seinem Hospital, das er in der Kirche eingerichtet hat. Soll man das glauben? Was denken Sie? Sicher, einbestanden. Monsieur, mes camarades et moi, nous sommes à votre disposition. Napoléon III ordonnera la libération des médecins autrichiens. Mais Dunant ne savait pas que le médecin-chef de l'armée française, le baron Larrey, était intervenu dans le même sens. Donc il a pu croire de bonne foi que c'était son intervention qui avait amené la libération des médecins autrichiens, alors que selon toute probabilité, Napoléon III était beaucoup plus sensible au message qui venait du médecin-chef de l'armée française que au message qui venait d'un touriste inconnu, même muni de bonnes recommandations. Alors Dunant, certainement, est un homme qui, à partir de ce moment-là, est traumatisé. Il est traumatisé par ce qu'il a vu, par ce qu'il a vécu, par ces quelques jours passés auprès des blessés. Il, certainement, va être sollicité de raconter cette expérience, il va en parler, et puis, très rapidement, il va se décider à consigner par écrit son témoignage dans un livre. Le livre est extrêmement bien construit. Il s'articule en deux parties tout à fait différentes. La première partie, c'est un récit de la bataille. Et c'est un récit de deuxième main. Dunant lui-même, de son propre aveu, n'a pas assisté à la bataille. Et il dit d'ailleurs avec raison, qui peut dire qu'il a assisté à une bataille de cette ampleur? Personne n'en voit jamais qu'une toute petite partie. Son récit de la bataille, il est typique de l'historiographie militaire du temps, donc c'est la glorification du courage, les charges de cavalerie, les drapeaux qui flottent au vent, les clairons qui sonnent, les tambours, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un changement de ton complet. Alors on a cette transition très forte avec cette phrase « Le soleil du 25 juin éclaira l'un des spectacles les plus désolants qui se puissent présenter à l'imagination. Le champ de bataille est partout jonché de cadavres, etc. » Et à partir de là, Dunant témoigne de ce qu'il a vu, c'est-à-dire la souffrance des blessés, l'absence de soins, l'abandon, les hommes qu'on laisse mourir sans aucune assistance. Et il oppose ces deux parties pour dénoncer la totale injustice de l'État qui attend que le soldat accepte tous les sacrifices pour sa patrie. Et au moment où le même soldat est blessé, il a cessé de compter, plus personne ne s'intéresse à lui vu qu'il n'a plus de valeur militaire et on le laisse mourir. Et c'est cette injustice que Dunant dénonce et il le fait en bon écrivain. Il n'intervient pas dans son récit, il laisse parler les blessés. « Ah, monsieur, que je souffre !» me disaient ces malheureux. « On nous laisse mourir, on nous abandonne et pourtant nous nous sommes bien battus. » Donc il met en opposition le courage des soldats et l'abandon de ces mêmes soldats une fois qu'ils sont blessés. Ce livre, il le publie à Genève, à ses frais, donc à compte d'auteur, non pas dans l'idée d'en faire un succès de librairie, mais dans l'idée de l'envoyer comme une lettre ouverte, comme un manifeste
qu'il envoie à des ministres, à des généraux, à des souverains, à Napoléon III en personne, à Victor Emmanuel d'Italie, à l'empereur d'Autriche. On sait que, par exemple, ces trois souverains ont chacun reçu un exemplaire du souvenir de Solferino. Il conclut avec deux propositions. L'une, c'est la création de sociétés de secours, puisqu'il dit jamais les États ne pourront maintenir en temps de paix des services de santé permettant de répondre aux besoins d'une grande bataille. Donc, il faut faire appel à la charité privée. Donc, il faut créer des sociétés de secours. Ça, c'est la première idée. C'est l'idée qui marquera le point de départ de ce qui deviendra la Croix-Rouge. L'œuvre que nous allons créer ne connaît aucun parti, aucune race. Elle ne connaît ni les nations, ni les religions. Elle ne connaît que le malheur d'où qu'il vienne et sa victime, quelle qu'elle soit. La deuxième idée, c'est-à-dire la conclusion d'un traité visant à protéger les services de santé sur le champ de bataille. Donc il y a clairement l'idée d'une convention, au départ dans l'idée de protéger les volontaires, mais très rapidement, Dunant dira non seulement les volontaires, mais surtout les services de santé des armées. Donc vous avez également le point de départ de la première convention de Genève, qui elle-même est à l'origine du droit international contemporain, c'est-à-dire un droit humanitaire basé sur le lien conventionnel, sur le droit positif, sur l'accord des États.